Alors, c'est extraordinaire. Alors, c'est vrai que c'était l'histoire de trois célibataires qui vont accueillir un bébé qui va bouleverser leur quotidien. Vous apprenez à les changer, à faire des couches. Et sans mauvais jeu de mots, c'est à l'époque des Césars, tu portais des couches. Pourquoi ? Ben, parce que... Pourquoi tu marchais en canard ? Alors, la veille du premier jour de tournage, je finis de tourner un autre film. Voyage à Paimpol. Ouais, de John Berry avec Myriam Boyer, que Myriam Boyer avait écrit. Dans ce film, elle fait des rêves. Et dans un rêve, je suis un révolutionnaire russe. Octobre et tout ça. Et je cours, on tourne ça dans un couloir du métro à Paris, et j'ai deux soldats du tsar qui m'arrêtent. OK ? On répète, tout va bien. Il se trouve qu'eux, ils portaient des fusils, mais ils portaient le fusil à l'extérieur. Et moi, j'arrivais comme ça. Avec la crosse en bas. Voilà. Au tournage, l'un des deux, je ne sais pas pourquoi, il a mis le fusil là. Ce qui fait que quand ils m'ont bloqué avec les bras, le fusil a fait comme ça, et j'ai pris la crosse dans les couilles. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Dans les parties génitales. Tu t'es pris un coup de fusil dans les testicules. Exactement. Qui ont vrillé. Il y en a un qui a vrillé, mais sur le moment, j'ai eu très mal, et puis c'est passé, j'ai fini le tournage, je suis rentré chez moi, et la nuit, mort de douleur, j'appelle mon père, je lui dis, papa, il y a un truc qui ne va pas. J'ai mal au cou, il meurt de rire. Il vient me voir, il me dit, allez, à la clinique, on m'opère et tout ça. Et on t'a opéré ? Bien sûr, on m'opère d'urgence, et je sors de l'opération, je sors de l'opération. Et je me retrouve sur le tournage du coup fin, on ne pouvait pas. C'est comme c'était un film qui était fait avec 3,50 francs. On pouvait pas annuler la journée de tournage. Il y avait trop d'argent en jeu. Donc, je tourne en étant allongé dans un lit avec des médecins autour de moi. Colin Serrault me montre ce que je dois faire. Et au moment de tourner, elle me fait, je me lève, je fais la scène, coupé, je me remets dans le lit avec les médecins à côté. Et évidemment, j'ai des couches. Puisqu'on vient de m'opérer. Donc, tu marches de travers. Oui, la première fois que je fais rendez-vous dimanche, j'ai les mains sur les couilles. Quand je fais le coup fin, je... Oui. Il faut que je retrouve cette image. C'est une histoire de couches. Et donc, j'ai des couches. Et alors, évidemment, au fur et à mesure que le tournage avance, j'ai de moins en moins mal. Parce que ça se cicatrise. Mais tu marches pas encore normalement. Mais je ne peux plus marcher normalement, puisque j'ai commencé le film en marchant en canard, puisque j'avais des couches. Donc, j'étais obligé de continuer. J'ai eu un César parce que j'avais mal au cou.